effectivement, 2019 s'ouvre dans un climat un petit peu de tension et de passion, comme c'est clôturé 2018. Cette situation au niveau national nous interpelle au niveau local. On voit la difficulté du débat entre méthode de gestion du changement par le pouvoir politique de manière très directe et verticale, et qui a du mal à rencontrer l'expression de besoins très, très divers, très parfois contradictoires même, qui s'expriment à travers des mouvements que nous connaissons actuellement. Alors aujourd'hui, on nous parle du grand débat comme étant une sortie potentielle. Le débat, oui, mais pas débattre pour débattre, débattre pour écouter, poser un diagnostic et puis apporter des solutions. Et bon, cette pratique-là, ça ne doit pas être une pratique occasionnelle ou exceptionnelle dans des situations de crise. C'est ce que nous pratiquons, nous, alors à notre niveau modeste, bien sûr, mais ce que nous pratiquons de manière continue au niveau de la commune, les réunions de quartier, les conseils citoyens pour construire ensemble l'avenir des quartiers en renouvellement urbain, comme ça s'est fait au Vauvette et comme ça se fait également actuellement au niveau de la Tabellionne, la participation citoyenne pour les problèmes de sécurité du quotidien, la nouveauté cette année avec l'élection du conseil municipal des enfants, tout concourt à ce que nous ouvrions le débat, je dirais, en permanence, à tout niveau, l'accueil des citoyens, bien évidemment, en mairie également à leur demande, que ce débat-là il se fasse en continu, mais qu'il ait aussi pour objectif majeur d'apporter des réponses du quotidien et dans les meilleurs délais aux attentes de nos concitoyens. Alors, chaque année, on essaie d'avoir une thématique qui se décline et qui se déroule tout au long de l'année. Alors, cette année, la famille, en fait, parce que nous avons signé, il y a quelques mois maintenant, avec la Caisse d'allocation familiale, un contrat territorial global que la Caisse d'allocation familiale de Raye-et-Loire appelle convention de service aux familles. Et donc, cette volonté que nous avons, non plus de traiter avec la Caisse d'allocation familiale par catégorie d'âge, contrat par contrat, mais d'avoir une vision globale des services à rendre à la famille par rapport aux problématiques qu'ils rencontrent avec leurs enfants, de 0, je dirais, à 25 ans. Ce sont des grands enfants, direz-vous, mais les problématiques d'insertion sociale et professionnelle préoccupent également les familles. Et donc d'avoir cette vision globale pour les 0-3 ans, la petite enfance, les 3-12 ans pour ceux qui sont scolarisés à l'école, avec des activités périscolaires avant la classe, après la classe, dans le temps d'entre-classe, le midi, avec une restauration municipale de qualité, mais animée aussi par les équipes d'animateurs de la ville, et puis pendant les grandes vacances. Voilà, donc c'est cette vision-là pour les adolescents. Et cette vision globale, elle permet aussi d'éviter les ruptures entre un secteur d'activité qui s'occupe des 0-3 ans, puis l'autre qui s'occupe des 3-12 ans. Donc plutôt que d'avoir des choses qui s'inscrivent comme ça en silo les unes à côté des autres, d'avoir une vision globale au niveau de la ville. Alors ça va créer des évolutions dans les structures, dans les organisations de la ville, avec la décision qui a été prise de créer une direction adjointe au sein de la politique de la ville, parce qu'en fait, cette réponse famille, c'est la réponse de la ville, dans la politique de la ville, dans le contrat de ville, à ces problématiques de famille. Donc d'avoir une directrice adjointe au sein de la direction de la politique de la ville, et cette direction adjointe sera confiée à Véronico, qui était la coordinatrice, et qui reste, et qui est la coordinatrice du contrat territorial global. Très rapidement, là, dans les tout débuts de cette année 2019, ça va être l'ouverture de la maison de sécurité du quotidien, une aventure partenariale. Bon, notre agglomération n'a pas été retenue dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, ce sont les grandes agglomérations, tout ça. Mais pour autant, on a souhaité nous travailler de concert avec la police nationale, avec les médiateurs police-population de la police nationale, les médiateurs de l'office HLM,
de travailler aussi avec les animateurs du centre loisirs jeunesse animé par la police nationale, avec nos animateurs. Donc tous ces partenaires-là vont rencontrer le médiateur de la ville de Vernouillet, les animateurs de la ville de Vernouillet, la police municipale également, dans un travail qui va être un travail plutôt de prévention. Ça va être mettre en place là toutes les actions qui, au quotidien, permettront de résoudre des problèmes de tranquillité publique, de sécurité publique, avant qu'on ne passe à la phase donc, de la plainte, donc de la judiciarisation des problèmes. Donc travailler le plus en amont possible pour éviter, pour résoudre les problèmes à la plus grande proximité. Voilà sur un des premiers projets. Il y en aura bien d'autres, on y reviendra sans doute en termes d'investissements qui sont tournés vers beaucoup vers le secteur scolaire, hein, préparer l'avenir, hein, c'est notre préoccupation. Le tout étant intégré, bien sûr, dans le budget que nous avons voté le 19 décembre, voté à l'unanimité des membres du conseil municipal. Je pense que ça mérite d'être souligné, c'est sans doute une forme de reconnaissance que ce budget, il est là pour préparer l'avenir des Vernolitains.